Guillaume Larrivé. Sur la forme, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'avec François Hollande, il y avait ce qu'on appelait l'anaphore, vous savez, la répétition des mêmes mots en début de phrase. Avec Macron, c'est l'antiphrase. C'est-à-dire, parfois, il dit un truc, et en réalité, le réel, la vérité, les choses, c'est exactement le contraire. Il commence son discours en disant « je suis humble », c'est une manière de nous dire « je ne le suis pas vraiment, j'ai compris parce que je fais du marketing politique qu'il faut que j'essaie de corriger mon image », mais en réalité tout ça, ce sont des mots, et donc cet exercice au fond d'autosatisfaction dégoulinante aura convaincu, je pense, les députés macronistes amoureux du prince, amoureux d'Emmanuel Macron, mais je pense qu'il n'aura pas convaincu les Français qui commencent à ouvrir les yeux. On le voit dans les études d'opinion et on le voit surtout sur le terrain. Moi, j'étais dans Lyon toute la fin de semaine. Frédéric Dabi, est-ce qu'avec un discours comme ça, il peut inverser la courbe des sondages ?